youpass.com, payez autrement. Oui, YouPass maintenant. Alors salut à toutes et à tous, c'est Vartek, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Hein, comme vous l'aurez vu au titre, pour vous présenter une équipe qui est largement plus cheatée à mes yeux qu'une première ligue avec du Gabriel Jesus, Antonio et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je pense que ça va être une série de vidéos, c'est-à-dire pour chaque ligue hein, en dehors de la première ligue, je vous présenterai une équipe qui est pour moi plus cheatée qu'une équipe première ligue. Parce que voilà, on trouve que des premières ligues. Gros, j'ai fait un futchum. Je crois sur les 10 matchs, parce que j'ai fait 10 matchs en futchum, tellement ça marche. Je rageais gros. Sur les 10 matchs, j'ai dû tomber seulement 2 fois sur des équipes qui n'étaient pas des premières ligues. C'est-à-dire les 8 autres équipes, c'était des premières ligues, gros, 80%. C'est phénoménal. Enfin bref, ça devient casse-couille. Même moi, j'ai une première ligue. De toute façon, tous ceux qui se plaignent, ils en ont une, frère. On en a tous une première ligue. Enfin bref. Donc, on va commencer, les mecs, par le gardien. Voilà, ce sera le compte. Ah, voilà, cette équipe, c'est une Ligue 1. Voilà, je l'ai pas dit. On va partir sur une Ligue 1, les mecs, avec un dispositif très sympa. Bref, on va parler. Je vais vous expliquer tout ça. Le compte, hein, bref, je l'ai packé en non-échangeable. Hein, je l'avais déjà acheté avant. Avant de le packer en non-échangeable. Franchement, il fait le taf. En plus, il est pas non plus immense, mais il est grand. Franchement, moi, je le trouve. En plus, il vaut pas archi cher. Hein. Bon, après, vous pouvez mettre Mandanda, ça suffit amplement. Hein. Bon, moi, je l'ai en non-échangeable, je le mets. Voilà. Ensuite, je me suis trompé de pardon. Ensuite, on a Dani Alves. Hein, après, voilà, là, j'ai Dani Alves que j'ai packé aussi en non-échangeable. Mais c'est vrai que je préfère Sidibé. Pourquoi? Pour le physique. Parce que Dani Alves, ok, nanana, vitesse, ce que vous voulez. Mais le physique, frérot, il est pas là. Il est pas là du tout. Donc, vous pouvez mettre CDB, c'est à vous de voir. Ensuite, on a du Marquinhos. Hein, c'est un classique hein, en Ligue 1, DC. Marquinhos, hein, avec Thiago Silva. Enfin, bref. Hein, c'est pas censé être une Ligue 1. Hein, j'ai dit première Ligue, pardon. C'est pas censé être une Ligue 1, pardon, qui coûte extrêmement cher hein, en soi. Elle coûte à peu près 300k. Pas plus de 300k ou 250k hein, aux environs. Hein, entre PS4 et One Sword. PS4, ça coûte à peu près 250k. Ensuite, on a Perrin, Roussillon, hein, meilleur DG pour moi, Ligue 1, sans aucun doute. Ensuite, en MDC, on a Verratti et Pastore. Vous me direz Pastore en MDC, ça ne fait pas trop. C'est vrai. Voilà, vous pouvez mettre aussi Maïté, mais moi, j'ai préféré Pastore. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, hein, voilà. Lucas en AD. Balde Diao en AG, enfin en MG. En MOC, Fekir. Et en BU, le petit Mbappé. Bon, voilà, moi, j'ai en OTW, mais c'est Mbappé, quoi. Mbappé, c'est... Voilà, donc, l'équipe, elle donne ça, en gros. Alors... dispositif, je l'ai vraiment surkiffé. Je l'ai essayé comme ça, tac tac tac. Au début, en fait, ce qui se passait, c'est que l'équipe, je la mettais en 4-3-3, 4-3, ou non, 4-3-3, attendez, c'est lequel? C'est le 4-3-3-3, je crois, où il y a les deux MDC, voilà. Je le mettais dans ce dispositif-là, l'équipe, avec ce dispositif-là. Puis après, mon petit frère a mis l'autre dispositif. Et franchement, depuis, il n'y a pas photo, l'autre dispositif, je le surkiffe. Après ce que je fais généralement c'est que sur le terrain je change et je mets comment dirais-je parfois le dispositif précédent là, que je vous ai montré le 4-3-3-3 sur le terrain. Pour ce qui est des tactiques perso les mecs hein, je m'y connais pas trop tactique perso l'instruction des joueurs. Tout ça, je ne me connais pas trop. La tactique perso, d'ailleurs, c'est pas la même. Je crois que c'est celle de Bruce Granek hein, que j'ai mis ou je sais plus qui. Enfin bref, donc je ne m'y connais pas trop. Donc c'est très simple. Voilà, j'ai mis que... ça l'a enlevé. Que Dani Alves et Rossignon restent derrière en attaque. Toujours surtout que Dani Alves, il se projette beaucoup vers l'avant. Alors attendez là. C'est quoi ce bordel? Mbappé... Oh là là, je bégaye. En même temps, il est tard, les mecs. Il est un peu 1h du matin. Que Mbappé. C'était où? C'était là, ouais. Voilà, dans le dos de la défense, voilà. Ah, il est dans le dos de la défense. Et cette équipe, les mecs, je la kiffe parce que, comment dire, en plus d'avoir du physique, de la vitesse, de la frappe, il y a du collectif, il y a de la passe, il y a de tout. Franchement, cette équipe, les mecs, je la surkiffe par rapport même à ma première ligue. Enfin bref, les mecs, là, je vais vous mettre le gameplay à l'écran. Vous pouvez le voir hein, en même temps que je vous parle. Hein. Mais j'ai pas enregistré beaucoup de gameplay hein, avec cette équipe. Parce que voilà, je viens d'enregistrer un peu de gameplay. Mais moi, c'est Fekir et Mbappé, les mecs, les deux avec Lucas. Je trouve ça fait un trio, mais...
Verratti aussi, je le surkiffe. Franchement, cette équipe, je kiffe tous ses joueurs et sincèrement, je prends plus de plaisir à jouer avec une équipe comme ça qu'avec une première ligue cheatée à la mort. Et je trouve qu'une équipe comme As, ça graille largement une première ligue pour moi. Franchement, hein, ça graille vraiment une première ligue avec du Gabriel Jesus, qui tu veux, mais hein, franchement, ça la graille. Après, par exemple, même les Bundesliga, d'ailleurs, pourquoi pas faire un prochain épisode, une équipe plus cheatée que la première, qu'une première, une équipe plus cheatée qu'une première ligue. Sur une Bundesliga, enfin voilà, là c'est une petite vidéo comme ça, chaud, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais c'est vrai, en première ligue, depuis que j'ai cette Ligue 1, j'y joue même plus avec, carrément. Donc voilà, cette équipe, les mecs, elle coûte à peu près 300K, comme j'ai dit, sur PS4, 250K, peut-être sur One, c'est aux alentours, entre 250 et 300K. Bon voilà, moi j'ai Mbappé au TW, parce que j'avais investi sur lui, hein. D'ailleurs, c'est un très bon investissement que j'ai fait, je pense. Enfin voilà, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la place de Pastore, comme je vous ai dit, c'est mettre Maïté. Il est où mon petit Maïté? Qui est très très chaud. Ou Fabinho même, hein, voilà. Maïté, moi que je kiffe énormément. À la place de Verratti, mettre Fabinho. Aussi simple que ça. Mais sinon, le reste, hein, les mecs, voilà, j'ai pris Perrin parce que je le surkiffe. Franchement, de la tête, tout ça, y a rien à dire. Moi, perso, je le kiffe. Théma, précision de tête 80, détente 84. Franchement, y a rien à dire. Je l'ai pris surtout pour les corners. Enfin, bref, en tout cas, l'équipe, les mecs, voilà. Ici, vous pouvez mettre. Moi, franchement, je kiffe mettre Payet aussi à faire entrer, même s'il a plus des stats, plus des stats de MOC. Franchement, je kiffe mettre Payet. Hein, donc, après, c'est à vous de voir ça, les mecs. Enfin, bref, moi, je vous laisse avec la fin du gameplay. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez, on va dire, ce nouveau genre, pas nouveau genre de vidéo, mais si vous aimez le principe, voilà, de vous montrer une équipe bien plus cheatée qu'une première ligue, hein. Sur ce, c'était Overtake, prenez soin de votre famille, c'est le plus important. Ciao les gens.